Guadeloupe, en direct. Bonsoir à tous, nous sommes de retour avec une émission de plus de Guadeloupe en direct, l'émission qui arrive jusqu'à vous chaque lundi, mercredi, vendredi soir pour vous amener une parole divine, une parole de foi et une opportunité. Nous croyons qu'à travers de cette émission, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est en train de vous accorder, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, à votre vie, à votre famille, une nouvelle opportunité. Opportunité de faire de ce deuxième semestre, de ce deuxième mi-temps de l'année, entre guillemets, une année de victoire, une année que vous allez surpasser les difficultés, les problèmes, les conflits familiaux, les situations qui vous ont fait pleurer, qui vous ont fait gémir, souffrir. Peut-être toutes les portes ont été fermées au cours de ces jours-là. Nous croyons que Dieu a le pouvoir de vous aider. Il suffit que vous preniez conscience de cela, que vous dites à vous-même, j'ai besoin d'aide. Si vous avez besoin d'aide, la porte du centre d'accueil universel, elle est ouverte pour vous, indépendamment de votre croyance, de votre passé. Nous sommes là pour vous aider vers ce nouveau départ. La porte que Dieu ouvre, personne ne pourra la fermer. Notre centre d'accueil est situé au 6 Morne Vergan, aux Abîmes, l'adresse de notre siège, comme aussi où nous sommes personnellement à votre disposition tous les jours au centre-ville de Pointe-à-Pitre, comme à Baïf, là sur le côté de la Basse-Terre, à Martinique, en Martinique, à Fort-de-France, à Cayenne, à Kourou. Les portes du centre d'accueil sont un peu partout afin de vous aider vers ce nouveau départ. Et pour vous prouver cela, que ça marche, que c'est efficace, la chaîne de prière, le pouvoir de la foi, écoutez ce fait réel, assistez à ce témoignage d'une personne comme vous qui a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de situations difficiles et qui aujourd'hui, grâce au pouvoir de la foi, a pu trouver une solution. J'ai entre mes mains déjà la bouteille d'eau que tout à l'heure ensemble nous allons réaliser une prière en votre faveur, en faveur de votre être cher qui est vicié, qui est malade, qui est victime d'un mal. Dieu, le Dieu de lumière, arrivera pour vous aider vers ce nouveau départ. Ceux qui ont aujourd'hui un problème, demain nous croyons que Dieu vous donnera la solution de ce problème au nom du Seigneur Jésus. À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Hein. Et puis un beau jour, ma cousine qui est au centre d'accueil m'a invitée. Et je suis allée, ben, je dis, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 euros. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, bon, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, « Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. » Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, bon, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 km. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix.
Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil. Parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. Vous avez des douleurs interminables? Ou une maladie? Vous êtes obligé de prendre des comprimés à cause de votre problème de santé? Dites stop aux maladies en agissant votre foi. Tous les mardis, au centre d'accueil, nous avons la réunion de la santé restaurée. Alors n'attendez plus, mais venez. Avant, il faut dire que j'étais vraiment une personne perturbée, une personne colérique et une personne qui aimait beaucoup les boîtes de nuit. Voilà. J'étais dans les maquis, en Afrique on appelle ça des maquis, donc du coup je fréquentais beaucoup les bars, boîtes de nuit, les femmes. À l'intérieur c'était le vide total, j'essayais tant bien que mal de me contrôler et de connaître une autre vie, mais je n'avais pas de source de départ. Donc du coup, j'étais perturbé, beaucoup perturbé. Ça se manifestait par la colère à l'intérieur de moi parce que je ne comprenais absolument rien de ma situation. Avant, c'était la situation catastrophique sur le point professionnel. Donc je n'avais pas d'emploi et entre-temps, je venais de quitter le collège et entre-temps, connu en fait un accident grave qui m'a rendu handicapé pendant des années. Sur ces 5 ans, et ça n'allait pas du tout. Et à un moment donné, voilà, ça a commencé à aller petit à petit. Je me suis relevé, j'ai connu une autre entreprise encore, j'ai rechuté plus tard avec un autre accident encore. Et chaque année dans ma famille, nous étions en tout cas dans les accidents. Voilà. Toute ma famille, mes enfants, mes sœurs, voilà. On en a tous connu, en tout cas, des accidents. Sachant que l'on pratiquait en fait de l'occultisme dans le temps, donc du coup j'ai consulté par-ci ou par-là, m'a dit bon, c'était un mal qui venait de la famille, c'était héréditaire, c'était quelqu'un qui m'avait lancé un sort, bon voilà. Il y avait un peu du tout, voilà. C'était la malédiction prononcée par quelquefois même les parents. Dans la famille, nous sommes nombreux, voilà. Donc, c'est pas entre nous, même entre frères, demi-frères, ça n'allait pas du tout. Avant, il faut dire que l'un des pires moments, c'est quand j'ai connu l'accident, en tout cas, du travail au sein d'une cimenterie en Afrique là-bas. Et j'ai été, juste 6 mois plus tard, j'ai été évacué, en fait, de mon pays à un autre pays voisin pour des soins. Parce que mes jambes, ne fonctionnait plus, ne répondait plus. Donc je suis resté hospitalisé pendant 3 mois et ce fut vraiment une séquence très difficile. J'ai connu le centre d'accueil de par un voisin de chambre donné et il m'a parlé de Jésus. Il fallait que je vienne à cette chaîne de prière, que je pouvais être libéré de toutes mes angoisses. C'est comme ça que je suis arrivé au centre. Je me suis tout de suite senti intéressé. Et chaque jour, en tout cas, je traitais d'un thème bien précis qui concernait en tout cas ma vie. J'ai participé à la campagne d'Israël, pratiquement à toutes les campagnes depuis mon arrivée. Dans un premier temps, c'était pour mon état de santé et dans un second temps, pour mes problèmes familiaux. Ma détermination, elle était totale en ce sens que je me suis dit, bon, des hommes de Dieu en face de nous qui nous parlent d'une réalité, d'un vécu, et voilà, de nous approcher de Dieu. Ils lancent des défis que personne d'autre ne pourrait peut-être nous lancer. Et je me suis dit, bon, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Et ceux-là qui ont rendu témoignage, je l'ai vu, je l'ai compris que ce n'était pas en fait, des sacrifices comme les autres. Donc du coup, je me suis senti concerné et je me suis dit, bon, je vais aller à fond et puis je ferai un défi avec Dieu et je verrai ce que ça va donner.
Le fruit de la campagne, il faut dire que je me suis délivré de ce mal. Au jour d'aujourd'hui, je ne fréquente plus les hôpitaux et je suis totalement guéri et je peux faire ce que je ne pouvais pas faire. Aujourd'hui, je marche, je fais du sport, je peux me baisser, et voilà. Et je peux faire des exercices assez physiques au point que, bon, voilà, beaucoup de personnes ne croient pas. Voilà. Et ce qui n'était pas prévu dès le départ. Donc, du coup, il y a eu une transformation véritable de ma santé. Je ne suis plus le même que celui que j'étais. Il y a eu une transformation parce que j'ai cessé toutes les mauvaises activités, toutes les mauvaises fréquentations. Alors qu'auparavant, voilà, j'étais quelqu'un qui se pavanait, voilà, qui ne savait pas où aller. Aujourd'hui, j'ai une direction, j'ai un cap et je me fixe des objectifs que j'atteins toujours. Voilà. Je me sens plus tranquille, plus serein, plus convaincu dans ce que j'ai à entreprendre dans ma vie. Et je peux dire qu'il y a eu une transformation, voilà, en tout cas, l'intérieur de moi, je suis plus quelqu'un qui est plus tranquille, fondé dans mes idées. Et avec la transformation dans ma santé, je me suis dit, bon, c'est une expérience, en tout cas, que j'ai vécue, qui m'a apporté un plus que je vais, en tout cas, expérimenter dans tous les autres domaines de ma vie. Donc, avec Dieu, ça marche. Un problème peut-être est arrivé jusqu'à vous, cher ami. Il vous a vaincu. Vous a détruit, vous a fait pleurer, vous a fait souffrir. Il y a eu des problèmes dans votre vie qui sont venus et que vous avez vaincu, que vous avez eu la force, le moyen de vous en sortir. Mais il y a des problèmes qui sont peut-être récurrents, qui sont là tout le temps, qui sont là chaque jour, que pour plus que vous vous êtes efforcé, pour plus que vous vous êtes des fois formé, vous avez cherché à déménager, vous avez cherché à changer votre situation de vous-même, vous n'avez pas pu. Parce qu'il y a un problème que seulement la force de Dieu pourra résoudre à travers de la foi. C'est des problèmes qui ont besoin de délivrance. C'est pour cela que tous les vendredis au Centre d'Accueil Universel, nous réalisons un jour de prière forte en faveur de la délivrance spirituelle. Nous avons eu hier, le dimanche, nous avons eu une grande réunion de foi, de clameur, de détermination, et nous avons vu beaucoup de personnes qui sont entrées avec une souffrance, un problème, un échec. Peut-être quelqu'un vous a même invité à participer hier et vous n'avez pas pu participer. Mais sachez, Dieu vous donne une opportunité d'y être avec nous ce vendredi 13. Vendredi 13 que dans le monde entier, dans le sens occulte, il y a une charge négative. Vous allez pouvoir passer par le chemin de la victoire, le chemin que le Seigneur Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est par le Seigneur Jésus que vous allez trouver la délivrance. Vous qui avez été victime d'une jalousie, vous qui vous avez été victime d'un mal, un mal que persiste, qui dure, que quand vous regardez, apparemment il était parti, mais il est là. Le même problème est là. Votre mari est parti, il est revenu, il est reparti. Votre enfant apparemment allait réussir dans les examens, il a échoué. Et vous ne savez plus comment l'aider. Vous avez déjà essayé, vous avez payé même des cours de soutien, vous avez été une bonne mère, un bon père, mais cela n'a pas suffi. Vous avez besoin de délivrance. Et ce vendredi 13, nous allons faire une prière forte afin de déterminer cette délivrance. Assistez encore en fait réel de quelqu'un qui a été délivré par le pouvoir de Dieu. Un problème que la personne elle-même n'arrivait pas à solutionner, mais qu'en participant de cette chaîne de prières, comme celle que nous avons le vendredi, la prière forte de délivrance, cette personne a été délivrée de ce malheur et de cette souffrance. Et vous aussi, votre famille aussi, qui peut-être semble que toujours derrière vous, il y a une ombre du mal, une ombre des ténèbres, une attaque spirituelle qui vous souffre la nuit,
Peut-être vous n'avez dit à personne. Vous n'avez jamais raconté cela à personne parce que vous avez peur que les gens se moquent de vous, disent que vous êtes fou, que vous êtes en train de devenir folle. Mais il y a un problème que seulement Dieu peut vous délivrer. Et ce vendredi sera le vendredi 13, la prière forte en faveur de votre délivrance. Et vous allez passer par le chemin de la victoire, le chemin de la croix. Si vous avez besoin d'aide, appelez-nous aussi, 0590-28-33-83. Le numéro qui s'affiche dans votre télé en ce moment, c'est la ligne que vous pouvez contacter, appeler tout au long de la journée, peu importe l'heure, appelez, laissez votre nom pour la prière, demandez un conseil, demandez un renseignement par rapport à l'église, au centre d'accueil universel, le plus proche de chez vous. Les portes sont ouvertes pour vous aider. Comme cette personne que vous allez assister maintenant, elle a pu être délivrée, elle a pu être aidée, et pour vous aussi. Même s'il y a une voix négative qui vous dit que pour vous il n'y a pas de solution, que la solution c'est le suicide, c'est la mort, n'écoutez pas cette voix. Ce mal veut que vous n'arrivez pas à la délivrance. Mais ce vendredi 13 sera le jour que votre chance, la malchance, elle va sortir de votre vie et Dieu vous donnera cette délivrance. Écoutez, assistez ce fait réel qui prouve cela et nous allons revenir. Avant d'arriver au centre d'accueil, une personne qui vivait d'apparence, parce que j'avais une tristesse à l'intérieur de moi qui était due à cause des conflits familiaux, des persécutions dans la famille, des situations difficiles qu'on a passées. Et du coup, ça m'a tristée beaucoup. Les soirs, avant de dormir, je pleurais beaucoup. J'étais vraiment renfermée, je ne parlais pas aux personnes. Et j'étais aussi beaucoup timide. Je n'allais pas vers les personnes pour les aborder ou pour faire toutes choses. Et en fait, quand j'étais avec mes amis, je montrais un côté de moi, cette Jo qui était toujours souriante avec les autres un peu, mais je parlais jamais de mes problèmes, de la tristesse que j'avais. Et dehors, j'étais bien, mais quand je rentrais à la maison, je pleurais. J'avais une petite colère en moi qui faisait que quand une personne m'énervait, il fallait que je frappe cette personne vraiment jusqu'à ce que la personne elle saigne. Qu'elle saigne ou qu'elle tombe par terre, sinon je ne pouvais pas m'arrêter. Elle était due justement aux problèmes que j'avais dans la famille, des situations qui se passaient. Il y avait des menaces et ça tombait sur moi. Avec ma tante, ça se passait pas du tout bien. J'avais une sœur et je trouvais qu'elle faisait beaucoup de différence entre ma sœur et moi, surtout qu'elle m'élevait. Et ça m'attristait aussi beaucoup parce que je n'avais pas ma famille qui était là avec moi. Donc toutes ces situations, ça s'englobait et du coup, je me sentais renfermée, triste à l'intérieur de moi. Je faisais des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Je voyais des membres de ma famille qui voulaient m'attaquer la nuit. Et du coup, je n'arrivais pas à bien dormir. Des fois, quand je me réveillais, je voyais des petites cicatrices sur mon corps et je ne comprenais pas pourquoi. Je me sentais perdue, disons. C'est comme s'il n'y avait personne qui était là pour moi, pour m'aider. Je me sentais seule. J'ai connu le centre d'accueil par une autre de mes tantes qui a invité toute la famille, qui commençait à aller, mais moi, je ne voulais pas y aller. Parce que je me disais que j'étais pas prête pour y aller et elle a vraiment insisté. Et le jour de mon anniversaire, je voulais connaître Dieu. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé à suivre des chaînes de prière, les conseils qu'on donnait, j'ai commencé à mettre en pratique. Et il y a eu des propos de Daniel que je me suis aussi donné, des campagnes d'Israël, que là vraiment, je me suis dit, mon Dieu, soit tu me changes, soit je continue comme ça. À la copine d'Israël, parce que je voulais vraiment que Dieu puisse me changer à l'intérieur de moi. Parce que je ne voulais plus avoir cette tristesse, je voulais avoir cette joie comme beaucoup de personnes ils ont, cette paix que je n'avais pas. Et aujourd'hui, je suis une personne épanouie, j'ai la joie, j'ai la paix, j'arrive à aller vers les gens, parler, discuter, je m'ouvre aussi devant tout le monde, j'aime ma famille et j'ai plus du mal à aller vers eux pour parler, pour aider
Et aussi, je n'ai plus cette colère avant que j'avais pour frapper les personnes. Non, c'est, j'ai maintenant la maîtrise de moi et je ne pleure plus la nuit. Je ne suis plus triste parce que, à travers le sacrifice que j'ai fait, j'ai eu le changement intérieur, j'ai la joie, j'ai la paix. Et les personnes, quand elles me voient, elles voient une différence. Avec ma famille, ça va. La relation, elle est en train de changer, ça va. J'ai plus peur de menaces. Maintenant, j'assume ma foi, ce qui aussi je n'arrivais pas à faire justement à cause de ces situations. Je n'arrivais pas à assumer ma foi comme il le fallait avec les menaces. Et là, j'assume ma foi. Il n'y a plus de cauchemars, tout est parti. Plus de cauchemars, ça va, je dors bien, je me réveille bien. Le centre d'accueil, c'est non seulement une école parce que j'ai appris beaucoup, mais c'est aussi une famille pour moi. Parce que c'est là-bas que j'ai reçu cet amour, on m'a conseillé, que parfois même je ne trouvais pas dans ma famille. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne mal. Très petite, en fait, j'ai été séparée de ma famille, j'ai été séparée de ma mère. Donc j'ai vécu en famille d'accueil. Et ça a été très difficile pour moi d'être séparée de ma famille, d'être coupée en gros de mon milieu. Donc je sais qu'après, à travers cette séparation, j'ai forgé en moi un caractère, j'ai forgé en moi une façon de penser qui était très dure au point que mon entourage, enfin ma famille même me comprenait plus, donc ils faisaient tout pour moi. J'allais voir le psychologue, marabout, puisque je me suis forgé en fait un comportement dur et surtout en fait ça exprimait vraiment mon mal-être à l'intérieur de moi. Moi je disais toujours dans ma tête, personne ne savait, mais c'était une sorte de secret. Ma seule ambition, c'était vraiment à l'âge de 20 ans, mais moi je serai plus sur cette terre, je vais mourir, je vais tous les laisser. Et le fait d'être séparée de ma mère, de mes proches, très jeune, et pendant presque 18 ans, ça a été le moment, j'ai envie de dire, le plus traumatisant pour moi. J'ai connu le centre d'accueil à travers un proche parent. Il y avait vraiment des choses qui... Ça m'interpellait puisque c'était vraiment... En fait, on était en train de décrire véritablement mon mal-être. Et on me disait, en plus de le décrire, on me disait comment, en fait, arracher ça. Comment, en fait, être une personne épanouie, en fait, de l'intérieur et l'extérieur. Et donc là, j'ai commencé à participer à des chaînes de prière. J'ai commencé à avoir des attitudes pour rejeter les mauvaises pensées. Lorsque je voyais des ponts d'autoroute ou quoi, mon désir, c'était seulement de me retrouver à travers la barre. C'était ma pensée, en fait. Et en participant des chaînes de prière, j'ai commencé à briser ces pensées, briser les pensées négatives qui disaient que j'allais pas réussir également à l'école, que j'allais pas aller loin. Et les campagnes d'Israël, c'était le défi, c'était le challenge. C'est comme si qu'on me proposait vraiment l'opportunité de changer. D'habitude, c'est moi. Non, ça a toujours été une tierce personne qui me donnait la condition. En gros, viens, on va aller voir cette personne, ça va changer. Mais là, il n'y avait pas une troisième personne. C'était moi et la campagne. C'était moi et Dieu. C'était moi pour changer de vie. Donc, c'était une opportunité directe que j'avais à saisir. En fait, moi, je considérais que comme j'avais pas eu une enfance comme les autres, c'est pour ça que je pouvais pas avoir un avenir, un futur. Mais en fait, en venant au centre d'accueil, je me suis rendu compte que ça pouvait être justement ma force, en fait. Ça pouvait être la raison pour laquelle je vais me battre plus. Pourquoi est-ce que je me sentirais désavantagée puisque je n'ai pas eu une enfance ou une famille comme toute personne devrait avoir? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis avec ma famille, ça se passe bien, on rattrape le temps perdu. Bon. En fait, je découvre vraiment aussi la joie de vivre en famille. Et c'est quelque chose que, certes, je n'ai pas pu vivre cela dans mon enfance, mais je le vis maintenant et c'est une bénédiction. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente une famille pour me corriger, pour me diriger, et véritablement on change, on se forme à devenir meilleur, mais pas meilleur pour simplement être meilleur pour
glorifier Dieu. Peut-être, cher ami, vous n'avez pas vu le mal venir jusqu'à vous. Vous avez vu le problème. Vous avez des personnes qui sont autour de vous, qui vous sentez que cette personne ne vous aime pas. Et cela provoque en vous, des fois, vous sentez des choses dans votre corps. Il y a des personnes qu'elles ressentent, qu'elles ressentent que les gens ne l'aiment pas, qu'elles se sentent mal dans sa maison, elles se sentent mal dans sa chambre, se sentent mal à côté de son mari, à côté de ses enfants. Nous savons que ce sont des choses qui sont occultes. Mais Jésus, il parlait à ce sujet. Jésus, il parlait en disant que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais il a dit, « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. » Et vit. Est-ce que ça, ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes là devant la télé en ce moment, pas parce que vous voulez, mais parce que vous n'arrivez pas à dormir. Parce que vous êtes endormi, vous avez eu même un cauchemar. Ni dans le canapé, vous arrivez à trouver sommeil. Nous voulons vous aider. Et nous vous invitons à participer de cette prière forte en faveur de votre délivrance. Peut-être vous dites, pasteur, c'est le problème, c'est mon mari, c'est mon fils, c'est ma fille. Venez ensemble. Et s'il ne veut pas venir, vous allez venir. Et Dieu, à travers vous, il va agir aussi dans votre maison. Croyez-vous à cela? Vous allez assister encore à un autre témoignage de quelqu'un d'autre qui a changé d'histoire, qui a changé de vie, en participant, en agissant la foi, au moment que cette personne, elle est sortie de chez elle, elle a donné le pas de venir vers le centre d'accueil et agit la foi dans le nom du Seigneur Jésus, il a eu délivrance. Il a eu un avant et un après. Et c'est le même que Dieu va faire. Avez-vous déjà préparé la bouteille d'eau, le verre d'eau? Pas encore? Alors, assistez à le fait réel. Allez vite, courez vite, préparez. Car après, tout de suite après, nous allons revenir. Prions. Demandons à Dieu qu'il consacre cette eau, que les vertus de sa lumière soient dans cette eau et qu'en buvant d'elle, Dieu puisse aussi illuminer votre vie, votre famille et que vous puissiez dormir en paix et se lever demain matin avec une autre énergie, une autre force. Croyez-vous à cela? Préparez-vous, faites toute attention. Arrêtez même tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous distrait, et focalisez-vous sur ce fait réel. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle. Demain sera vous. Demain sera vous-même, monsieur. Sera vous-même, madame. Sera votre famille qui pourra dire, aujourd'hui, nous sommes heureux, à travers de la foi. Assistez, et je vous dis à tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était sans aucun sens. J'avais grandi très malheureuse, j'avais grandi triste. J'avais grandi avec toujours des problèmes qui me suivaient partout, soit dans ma vie spirituelle, sentimentale, familiale, financière, professionnelle. J'arrivais pas à m'en sortir. J'avais un idéal, mais je n'y arrivais pas. J'ai été maltraitée psychologiquement, j'ai été séparée de mes parents, je n'étais pas aimée, j'ai été abandonnée. Donc j'étais tout le temps sous pression, donc je n'ai pas réussi à être heureuse ni dans l'enfance, ni dans l'adolescence. Et ça m'a poursuivie dans mon jeune âge adulte, donc j'ai fait des mauvais choix au niveau sentimental, je voulais être heureuse. Mais mon esprit n'était pas clair, donc j'ai fait des mauvais choix, ce qui m'a conduit à enchaîner des déceptions, des échecs et à entretenir et à nourrir cette tristesse. Dans ma famille, ça a toujours été la division. On n'a pas eu une famille unie, on n'a pas été dans un cocon familial sain, dans un foyer comme il fallait pour grandir avec l'amour qu'il nous fallait. Donc j'ai grandi comme ça, je suis devenue jeune femme comme ça, adulte comme ça. Et ça impactait un peu sur tous les domaines de ma vie, ça me poussait à faire des choix peut-être d'une manière émotionnelle qui n'était pas adaptée pour moi. Donc très jeune, c'est vrai que j'ai été tellement malheureuse et incomprise que j'avais envie vraiment de mourir. Je me disais il valait mieux mourir que de continuer comme ça, puisque personne ne m'entend, personne ne me comprend et personne ne cherche à me comprendre.
J'ai connu le centre d'accueil à un moment vraiment de ma vie où j'étais vraiment désespérée. J'étais vraiment dans un trou, seule. Je fréquentais une autre église, j'avais arrêté d'y aller, mais pourtant je voulais rester tout près de Dieu, je voulais connaître Dieu, je voulais le servir, je voulais être tout le temps dans sa présence, mais j'avais décidé de rester seule. Parce qu'en fait, j'étais en pleine séparation, en pleine procédure d'un divorce très difficile. Une rupture qui, par rapport à mon ancien mariage, qui vraiment ça n'allait pas, donc c'était très difficile. Je suis arrivée comme ça au centre d'accueil. Une amie m'a parlé d'une église qu'elle a connue en région parisienne. Elle m'a dit, viens, ça vient d'ouvrir ici en Guadeloupe. Et donc elle m'a dit, je te donnerai l'adresse et puis tu iras voir. Donc là, à partir de ce moment, j'ai commencé déjà à faire les propos, à venir les jours qui étaient recommandés. Je frôlais un peu la dépression. Je n'étais pas dépressive, mais si je ne m'accrochais pas à Dieu, ça n'aurait été pas possible pour moi. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière, à faire les chaînes du lundi, mardi, surtout mercredi pour chercher la présence de Dieu, le jeudi pour la famille, le vendredi pour la délivrance. J'ai commencé à venir le dimanche, aussi à suivre régulièrement les propos de prière. Après, il y avait des propos de foi. Donc, j'ai commencé à faire les propos de foi. Tout de suite, après, quand je suis arrivée, un mois et demi ou deux mois après, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, je n'avais pas vraiment compris, mais je me suis dit, je vais y aller. Je vais sacrifier, je vais faire ce que le pasteur dit, parce que je veux que ma vie change. Et j'ai mis toutes mes forces. J'avais beaucoup de problèmes financiers à ce moment. Je vivais avec un découvert de 2000 euros constamment que la banque m'accordait. Et donc, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, pour moi, est vraiment la solution pour changer les choses que je n'arrive pas à changer moi-même. Pour moi, quand il y a un nœud dans ma vie que je n'arrive pas à résoudre, la campagne d'Israël, c'est la solution. Quand une situation dure, vraiment un problème dur dans ma vie, que je n'arrive pas, je n'ai plus de solution moi-même, j'ai épuisé toutes mes forces, la campagne d'Israël, c'est mon appui vraiment que j'utilise pour que Dieu puisse me faire avancer. Et à chaque fois, ça marche. Ça marche à chaque fois. Alors aujourd'hui, à travers la campagne d'Israël, à travers tous les propos et ma persévérance dans la foi, Dieu a changé vraiment tout ce qui avait changé en moi, à l'intérieur de moi-même. Je ne suis plus tourmentée, je suis tranquille, j'ai la paix, je ne pense plus à abandonner. J'ai la force de Dieu en moi et j'ai la présence de Dieu en moi. Donc, à travers tout ce que j'ai pu faire, sacrifier, Dieu a changé ma vision, ma pensée, ma manière d'être. Il m'a permis d'utiliser ma foi comme je ne savais pas utiliser avant. Maintenant, je suis en train d'apprendre à grandir encore plus et ma vie change d'une manière constante. Maintenant, je suis arrivée, j'étais divorcée, maintenant je suis mariée, je suis bien mariée. Je suis mariée avec un homme qui sert Dieu et qui a les mêmes valeurs spirituelles que moi. Et c'était ça le plus important pour moi. Dans ma vie professionnelle, j'ai une vision qui est différente. Je ne suis plus stagnée pour dire que je vais être simplement une simple salariée, que je vais attendre tout le temps de quelqu'un. Je cherche toujours à aller plus loin, donc je travaille déjà à mon compte. J'ai une société de prestations pour des personnes qui sont dans le même domaine professionnel que moi. Et je suis en train encore de développer une entreprise qui n'a rien à voir avec ma formation. Donc je ne suis pas bloquée au niveau professionnel. La vision que j'ai, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Donc au niveau de ma vie familiale, ça va. À la maison, il y a la paix. Tout le monde s'entend très bien. On est heureux, la présence de Dieu est là. Donc Dieu vit en moi, il est aussi dans ma maison, dans ma famille. Donc je ne manque de rien, je continue à persévérer vraiment pour atteindre d'autres objectifs parce que je sais que la vision que Dieu a pour moi elle dépasse bien celle que j'ai déjà aujourd'hui, ce qu'il a fait déjà pour moi aujourd'hui. Je n'ai pas d'envie de suicide, je ne déprime pas, je ne désespère pas, je suis forte.
Le moment le plus dur pour moi, c'était au moment que je buvais. Avant d'arriver en Soldat Cœur, j'avais une vie pas trop bien, déjà malade. J'avais une arthrose cervicale qui m'handicapait complètement, je souffrais. J'avais des maux de tête atroces, donc je finissais par vomir tellement que c'était douloureux. Ayant du mal à me lever le matin, je devais prendre une demi-heure avant de me mettre debout. C'est une maladie handicapante qui ne guérit pas. On peut le soulager par des anti-inflammatoires ou des infiltrations. Uniquement, c'est une maladie à vie, pour ainsi dire. Dans le temps, on disait que c'était la maladie des vieux, comme on disait dans le temps, mais plus maintenant, parce que 90% de personnes sont atteintes de cette maladie. Ma vie financière était catastrophique, donc j'avais une dette de 21 000 euros et j'étais fichée à la banque, non seulement ça, mais je devais passer au tribunal. Le moment le plus dur pour moi, c'était au moment que je buvais. Il y avait un manque à l'intérieur de moi aussi, donc en prenant l'alcool, pour moi, ça me soulageait, on va dire ça comme ça me soulageait. Mais après, ce n'est pas la bonne solution. Quelqu'un qui boit ne reconnaît jamais qu'il boit en disant non, c'est pas vrai. Alors quand la gamine de 6 ans m'a dit « Maman, ça sent l'alcool à 6 heures du matin », je lui ai dit « Non, c'est pas possible, c'est un bonbon que j'ai mangé, tout ça. » Puis après, c'est parti. Je suis arrivée au centre d'accueil par une invitation. J'y suis allée et quand j'y suis allée, j'ai écouté la prière. Et en ce moment, il y avait la campagne d'Israël. J'ai participé à cette campagne d'Israël parce que justement, quand je suis rentrée, j'avais cette dette. Puisque je devais me présenter au tribunal, justement, parce que j'avais ce jugement qui devait se faire. Je me présentais au tribunal. Alors je me suis dit, bon, en entendant parler de tout ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas pourquoi pas. Ma pensée, c'était dire je n'avais rien à perdre. Je dis bon, puisque en entendant parler les personnes qui l'ont déjà fait, qui étaient déjà là, qui ont dit j'ai ceci, je lui dis eh bien oui, pourquoi pas, je n'ai rien à perdre, je vais me lancer aussi. Deux semaines après, je devais me présenter au tribunal. Et quand je suis arrivée devant le juge, elle me dit « Oui, madame, comment ça se fait? Vous avez pu contacter une dette de 21 000 euros. » Alors je lui ai dit « Oui. » Je me suis dit « Il va agir, Dieu. » Parce qu'il est grand, il est puissant et il nous a dit toujours de le mettre à l'épreuve. Au travers des campagnes d'Israël, eh bien, je dirais que ma vie avance. Alors les dettes étaient effacées, je n'ai plus de dettes, je n'ai plus de crédit, je ne suis plus fichée à la banque, je n'ai pas des sommes énormes, mais ma vie avance spirituellement. J'ai une vie comblée, puisque je me suis accrochée à Dieu. J'ai abandonné l'alcool complètement, même pas une goutte. La santé... superbe, franchement, j'ai la santé d'une jeune fille, on va dire de 26 ans. Hein. Sur mes 62 ans, j'ai une vie vraiment heureuse. Hein. Je suis comblée. Le centre accueil me montre la façon justement de déterminer les choses, la façon d'avancer, la façon de voir les choses. Hein. C'est tout pour moi. Je lève cette eau en ce moment, ici à côté de la croix, qui est le symbole de la victoire. La croix qui est le symbole du chemin de la délivrance. Et ce jour-là marque pour vous ce nouveau départ. Si vous avez l'opportunité, vous avez préparé le verre d'eau, la bouteille d'eau, vous allez aussi vous approcher de votre télé et nous allons invoquer ce nom qui est là. Celui qui, sur la croix,
a vaincu cette jalousie qui est en train de vous tuer, qui est en train de détruire votre famille, ce malheur qui est en train de vous perturber. Et la lumière du Seigneur Jésus va arriver jusqu'à vous et jusqu'à votre famille. Croyez-vous à cela? Préparez-vous alors, et c'est le moment de la prière. Au nom du Seigneur Jésus, ô Dieu, en cet instant, nous entrons en prière avec toutes les personnes qui nous assistent en ce moment, et même celles qui vont nous assister plus tard par l'Internet, par un partage de cette vidéo. Mon Père, que au nom du Seigneur Jésus, là où arrive cette parole, là où arrive cette émission, fais arriver ta force, fais arriver ton pouvoir, afin qu'aujourd'hui marque un nouveau départ pour cette personne, qui a même pensé que tu l'avais abandonnée, qui a même pensé que pour elle il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus de sortie. Je lève cette bouteille d'eau, comme elle, comme lui, tend sa main aussi vers le nom de Jésus, vers la croix qui est ici, le symbole, le chemin de la délivrance, le chemin de la victoire. Et nous déterminons, Seigneur, que ces personnes qui vont boire de cette eau en ce moment viennent à être libres et qu'en participant ce vendredi 13 de la prière forte de délivrance, ici aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, à Baïf, à la Martinique, aux métropoles, peu importe le lieu que cette personne sera pour chercher cette délivrance, que tout le mal, tout le malheur, tout ce qui a été fait contre elle. Il y a des personnes, mon Dieu, qui ont été victimes de sorcellerie, de vaudou, de fétiches, de malédictions héréditaires. Mais nous déterminons ce moment que en buvant de cette eau, ayez l'énergie, ayez la lumière, et que le mal qui l'empêchait même de sortir de son lit, de sortir de sa maison et de réagir face au problème, que ce mal sort. Cet esprit de perturbation, d'angoisse, sorte maintenant et qu'il ait vie. En buvant de cette eau, que le malade, l'infirme, le perturbé, le possédé, le dégoûté de la vie ait un nouveau départ, une nouvelle vie, au nom du Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes d'accord, dites amen et grâce à Dieu. Cher ami, buvez de cette eau avec foi, buvons ensemble et soyez envahis par le pouvoir de la foi. Pendant longtemps, j'ai vécu éloigné du Seigneur Jésus. J'étais si triste et je pleurais en ténèbres et sans lumière, avec le poids du péché. J'ai entendu le Maître aimer en me disant, fatigué et opprimé, viens vers moi et je te délivrerai, et je te délivrerai. J'étais esclave de mes vices, ma vie était une illusion. En m'apportant des préjudices, mais en cherchant la solution, parmi toute cette souffrance, ta voix m'apportait confiance. En me disant, fatigué et opprimé, viens vers moi et je te délivrerai, et je te délivrerai.
serait bon si vous faisiez comme j'ai fait, abandonner vos péchés en échange d'une vie en paix, vous seriez pardonné. En entendant le maître aimer, oh, en me disant, fatigué et opprimé, viens vers moi, et je te délivrerai, et je te délivrerai, en me disant, fatigué, opprimé, viens vers moi et je te délivrerai, et je te délivrerai. À Dieu. Vous pouvez après donner à boire de cette eau à votre famille, à vos êtres chers, même s'ils sont déjà en train de se reposer demain matin. Partagez cette bénédiction avec votre famille. Utilisez votre foi et soyez avec nous. Ce vendredi 13 sera le jour de la prière forte de la délivrance. Les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes tous les jours. Je vous ai invité pour ce vendredi où il y aura cet événement spécial, cette prière forte pour la délivrance spéciale. Mais le dimanche, ce dimanche 15 juillet, nous avons une grande concentration de foi en faveur de toutes les personnes et de toutes les familles. Venez en famille, approchez-vous de celui qui a, avec lui, vous pouvez marcher vers une vie différente. Il y a des personnes que partout où elle a marché, il semble qu'il y a un mal à marcher avec elle. Mais ce dimanche, vous allez faire un vœu de marcher avec Dieu, de marcher dans un autre chemin différent de celui que vous avez marché. Peut-être vous avez marché dans le chemin de la souffrance, de la pauvreté, de la misère, de l'échec, du malheur, de la perturbation, des doutes, mais vous allez marcher désormais à partir de ce dimanche. Vous et votre famille, vous marcherez dans un chemin béni, délivré et protégé par la présence de Dieu. L'émission Guadeloupe en direct arrive à son terme. C'est un énorme plaisir d'y être ici avec vous. Et je suis sûr, vous qui avez assisté à ce témoignage, les témoignages d'aujourd'hui sont les personnes qui hier, qui un jour comme vous, ont assisté et ont pris une décision. Prenez la vôtre. Les portes sont ouvertes et nous voulons vous aider vers ce nouveau départ. Mardi, c'est jour de prière pour la santé restaurée dans les adresses que vous avez pu voir tout au long de cette émission. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Vous pourrez suivre désormais le Centre d'accueil d'Homme sur YouTube en tapant CAUTV d'Homme. Vous pourrez voir tous les événements qui se réalisent ainsi que des témoignages et l'émission de Guadeloupe en direct. Ne perdez plus de temps. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube. CAU TV DOM. Guadeloupe en direct.